La première circonscription, au début, j'avais un peu de mal géographiquement. Nazi, ça veut dire le premier parti socialiste d'Hitler. Donc, vous êtes nazi. Donnez-nous un exemple. On va passer à notre deuxième dossier. Chacun nous a dit que l'insécurité due au centre pour faux mineurs ne cesse d'augmenter. Mais il y a une quinzaine de migrants. Ils ne sont pas arrivés. Bah, je vous laisse aller voir. On nous l'a dit sur les marchés. Alors, monsieur le député sortant. Non, mais franchement, là, on est en plein délire. Ils ne sont pas arrivés. Ils sont arrivés. Je suis conseiller départemental. Qu'est-ce que veut dire nazi? Il faut en plus que je vous explique ce que c'est? Non, j'invite les téléspectateurs d'aller taper sur Google. Nazi, ça veut dire le premier parti socialiste d'Hitler. Donc, vous êtes nazi. J'ai de la famille sur Saint-Étienne, notamment en première circonscription. C'est vrai mais, que... Mais vous, vous n'y habitez pas? Ah ben non, je n'y habite pas, mais je suis souvent sur Saint-Étienne. D'accord. J'aime Saint-Étienne. J'aime la première circonscription. Au début, j'avais un peu de mal géographiquement parce que quand on n'est pas originaire de la Loire, ben faut apprendre à connaître le territoire, hein, faut s'y promener, faut visiter, faut voilà. Il faut diminuer également tous les taxes, les impôts. Lesquels? Ben les taxes, tout qui ruine les entreprises. Ben donnez-nous un exemple. Nous on a baissé les impôts sur les entreprises de 33% à 25%. Oui. Quelles impôts, quelles taxes sur les entreprises voulez-vous baisser? Ben toutes les taxes qui sont liées à... Donnez-nous un exemple. On va passer à notre deuxième dossier. On peut lutter contre l'augmentation du climat, mais rappelons-le quand même que la Terre se réchauffe d'elle-même, naturellement. Vous ne croyez pas au réchauffement climatique lié à l'homme? Si, je le crois. Mais il faut quand même rappeler que la Terre a eu des phases très chaudes et des phases d'air glaciaire. Et on est encore en air glaciaire. Et il faut... un maximum ralentir effectivement notre production de CO2 rejeté dans l'air. De toute façon, l'argent, on va en trouver. Hein, ah ben où? Mais il y a plein de moyens de réduire justement, par exemple, en baissant l'immigration, on va réduire totalement. C'est-à-dire? Ben, par exemple, ça ne sera plus permis de rentrer sur le territoire, comme c'est actuellement le cas. Et donc, en termes de pouvoir d'achat, qu'est-ce que ça génère comme économie? Est-ce que vous l'avez quantifié? Est-ce que vous pouvez nous expliquer les mécanismes? Ben, de toute façon, on a plein de propositions pour justement ramener de l'argent. Il y a 5 candidats dont j'ai estimé que les propos qui étaient tenus étaient inadmissibles et étaient en total opposé et à l'opposition de ce que je défends, de la ligne qui est la mienne et de l'éthique politique qui est la mienne.